Asia the First met le public au bord de l'enthousiasme. Loin des amphis pour faire plaisir à ses fans qui l'ont longtemps réclamé, le professeur Azak Boro, alias Asia the First, a offert le week-end écoulé un concert live grandeur nature à ses mélomanes d'ici et d'ailleurs. Il a réussi à séduire les fans de sa musique et même d'autres qui désormais adulent ses opus. À travers le professeur, nous avons compris qu'on peut avoir confiance en soi. Moi, je n'avais pas admiré, je n'aimais pas trop le reggae, mais ce soir, dites-vous, j'ai beaucoup apprécié parce que ce n'était pas du désordre, c'était du sérieux. Je lui souhaite vraiment un meilleur chemin, que Dieu, le Tout-Puissant, le sustente. Ce n'est pas facile. Il a su bien dire, ce n'est pas facile, c'est une bataille, une rude bataille qui l'a conduit à cette échelle près. Et c'est ce que la jeunesse doit faire aujourd'hui. Cette nuit, j'étais dans la chambre quand j'ai vu dans mon portable qu'ils ont envoyé un message concernant le concert de ce soir. En même temps, je me suis précipité pour venir le soutenir pour la soirée. C'était chaud. Comme aussi le gars, c'est quelqu'un qui aime mettre vraiment de la chaleur, même autant de la fraîcheur. Après une trêve de 2 ans, Asia the First est revenu sur scène de la plus belle des manières et annonce une tournée nationale dans plusieurs départements pour mettre sur orbite le reggae, une musique qui, selon l'artiste, est celle de la vérité. Après une parenthèse de 2 ans, nous avons voulu renouer un peu avec l'activité culturelle et surtout les concerts. Et comme nous l'avons démarré, ce serait une série de concerts, d'abord dans la ville de Parakou, et aussi ce sera une tournée nationale, d'abord dans la Takora et ensuite dans le Borgou, pour reprendre contact avec le public et continuer par valoriser ce qu'on appelle la musique reggae. Patrimoine mondial de l'UNESCO, la musique des grands, la musique des sans voix. Nous avons choisi cette musique parce que c'est la seule musique qu'on fait pour ne pas caresser les gens, pour ne pas caresser la vérité, mais dire la vérité tout haut, sans avoir peur, sans avoir honte, mais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Des artistes invités ont agrémenté la soirée. Pendant plus d'1h30, dans un bar de la place, l'artiste confirmé du reggae a tenu en haleine le public, sorti nombreux pour écouter les bonnes mélodies distillées par Asia the First au sommet de son art. Vous avez vu combien de fois le public est resté en haleine. 1h30 de spectacle ininterrompu, c'est du jamais vu à Parakou. C'est une première et ça va être ainsi pour tous les lieux que nous allons fréquenter, que nous allons visiter et toutes les villes qui vont nous accueillir également. Ça va être l'occasion aux gens de mieux se familiariser avec le reggae, qui n'est pas une musique synonyme de drogue, d'alcool, de désordre, mais une musique spirituelle, bénie par Jah Rastafari. L'artiste Asia the First promet sublimer les semaines à venir avec ses mélodies atypiques à écouter sans modération. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.